QC Bro Gamers, aujourd'hui on se retrouve sur Magic the Gathering Arena, mon premier gros pack opening, on peut dire, de pack sur le Arena. On a combien? 65, ça va, j'ai mal calculé tantôt. 80 packs, what the fuck? 80 packs sur le Arena. Puis moi sur mon live, on le voit un peu ici. 36, ben quasiment 40 packs. Autre en vrai. Fait que là, si vous voulez aller voir ça, c'est sur ma chaîne YouTube Lord QC Bro Gamers. Le même nom que, ma chaîne Twitch plutôt. C'est le même nom que cette chaîne là, mais L-O-R-T. Fait que. Let's go, on commence ça. On va laisser le temps au programme de. Pouf! Bah. Bon, on va. On fait-tu ça? Je t'attends qu'on aille 20 à peu près. Puis après ça, on fait un peu des autres. Ouais, ouais, bonne idée. Let's go, tout le monde, c'est parti. Je pense qu'on voit tout bien, la caméra cache un peu cette carte-là, mais pas plus que ça, c'est pas super. Une de couleur. En passant, faites-moi signe s'il y a des affaires bonnes. Moi, les affaires me sautent pas d'en face, je suis pas encore habitué à savoir ce qui est meilleur que d'autres. Je vais pas passer éternellement non plus. Sur chaque pack, là, faut quand même un petit token wildcard. Oh, un gros bonhomme. C'est un mythique, ça. On veut tout voir les races. Ça, c'est un mythique. Fait que. Mais la race, souvent, va être là, dans le fond. Mais celle-là, c'est là, ça. Cette. Devotion to Red. Pfff. Je m'éternise. Si vous n'avez pas le temps de le lire, on y a là. Retenez le nom au PDP, puis je vais pas le revoir après. Par après. Une autre mythique, ça. Et nice, par contre, elle. Ça, retenez le nom de la carte, vous voulez voir plus en détail si vous. Vous savez pas, whatever. Oh shit, mother. Yeah. Oh, merci, Babybel, pour ton follow. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes des beaux temps des fêtes. Deux gars back to back, man. Ça, c'est une rare. Too... Je pensais que ça avait écrit too good. Deux gars. Black, next pack. J'ai-tu ouvert un core 2020? Je sais pas, j'ai pas marqué. Oh, c'est un autre god, ça. Hey, regardez ça. 3 gods en 4 packs. I'm a god. C'est ça que mon nom, c'est. You talk. I'm a god. Imagine si ça serait des packs en vrai, il y aurait une valeur derrière ça. Souvent, mon nom d'un jeu, c'est ça. Ça, retenez les noms, encore une fois, si vous voulez voir des choses plus en détail. Ah ouais, c'est bon, ça. 3 gods, hein. Bienvenue, belle belle. C'est ma chaîne. Je crois que c'est la première fois qu'on se parle. Bon, ça, c'est Babel. Je fais en tout cas des vrais packs opening une fois semaine, minimum à au moins 4-5 packs. Fait que. Dans l'Arena, c'est un petit peu plus rare, mais je. On en fait une fois de temps en temps. Bonjour. Un cheval. Puis en passant, je suis quand même. Un joueur assez débutant à Magic, fait que c'était des conseils, quelque chose. Fais-toi plaisir. Une rare, une land, remove target. A target attacking or blocking creature from combat. Je suis jaloux du de pack que tu as. Du nombre de packs. Oh, c'est un. Ah, je pensais que c'était un autre god. J'étais comme ça, y a un autre god. Il y a des décos de Noël, même si c'est pas des décos de Noël. Cachon 10-6, what the fuck? Ouais, c'est sûr, je suis à 5-5-4-1, pis j'ai encore un esti de gang. Je vais faire attention, là, je vais pas trop l'utiliser.
Je veux vraiment être sûr éventuellement d'avoir des. Potentiellement des decks. Pas compétition, mais tu sais, qui va rivaliser pas mal en ligne. Là. Deux. Deux, puis un 3-3. Puis on lira pas tout ce qu'ils font chaque carte. Là. J'aime ça, ceux avec les contours comme étoilés de même. C'est vraiment nice. Oh, Deadly. Oh, excuse-moi, Deadly. Héroïque, je t'avais pas vu. Ton nom était de la même couleur que Babybel. Puis avec le truc de Prime, j'avais pas vu ton nom. Salut, ça va bien? Bienvenue sur ma chaîne. Je crois que c'est la première fois qu'on se parle. En tout cas, sur mon Streamlab, il y avait la même couleur. Fait que je pensais que c'était la même personne qui parle. N'hésite pas à parler dans le chat. Si vous voulez voir des. Comme je disais tantôt, si vous voulez voir des cartes plus précisément parce que vous savez pas trop qu'est-ce qu'elle fait ou whatever. Hein. On, retenez le nom, on va pouvoir aller les. Aller dans mes decks puis dans ma collection puis les voir après. Dans le fond, la seule et bonne raison, c'est que ça se retrouve en vidéo sur YouTube. Fait que je veux pas que ça s'éternise sur 30-40 minutes non plus. Oh! A warrior. 6-1. Ok. Coup de 4, 2-2. C'était surtout pas. Alors, je suis un petit follow. On fait des openings assez souvent sur cette chaîne-là. Plus souvent en vrai, des comme 5. En moyenne, c'est 5 packs. Fait que. Mais je check me tout écrire des nouveaux decks. Ah. C'est sûr, c'est tout le temps. C'est ça la magie de Magic. Peut-être vouloir créer des nouveaux decks puis avoir autre chose. Tu sais, c'est le fun d'avoir un gros deck qui pète. Mais. Après l'avoir joué une couple de fois, tu veux jouer autre chose aussi. Facilement entre les jeux, t'as qu'à moi aussi. Si tu roules les 10 par 10, il va mettre que les rares. Pas vrai? Je savais pas, moi je voulais juste faire prendre mon temps à les ouvrir pis Ouais, un million tantôt, ça. J'ai joué contre Apollo Crab tout le monde tantôt pis ouais, juste pour le fond on a checké voir. Ben ça a pas duré tant de temps, on a peut-être 3-4 tours qu'on a fait ça pis il s'est rendu à un million. Une créature. Oh bah ok attends, je vais arrondir ça à 20. On va faire ça à coup de 10 après. Je pense, je voulais juste. Oh, attends, une petite mythique, ça. Parfait, ça. Ah, oh, ça, il m'en fallait une. Parfait, ça. Il m'en. Ben non, il m'en fallait deux de plus, mais là, j'en ai une. J'ai pas marqué, j'en ai pas une. Avec 1 million de vies, ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est n'importe quoi? Imagine s'arrêter dans un combo. Oh shit, ça, là, c'est fort comme adventure, non? Une créature 8-8, X-proof. Ça tape toutes les. Je trouve ça quand même fort. Bon, donnez petit pack. Ben, après ça, on va ouvrir ça à. Coup de 10. Ou sinon, c'est mieux continuer un par un. Hein. Oups. Ah oh, oui, excuse. Une saga, ouais. Ben, je sais c'est quoi une saga, puis je sais c'est quoi une adventure. Je me suis juste trompé dans mes mots, mais merci de la correction. Oh, c'est la carte mythique de mon deck de shrine que j'ai te parlé. Laquelle j'ai pas vu. On va voir un peu de. Ah, j'ai pas voir à coup de 10. Je sais pas. Je sais, elle est forte pareil, non? Des affaires, moi, des fois, je vois que ça a l'air fort, mais des fois, le monde. Ah, c'est à chier. What? Je sais pas, à coup de 1, ça rend plus ça nice, non? Non, c'est fort. Ça fait. C'était pas du. Ça fait. Quand elle rentre en jeu, ça fait mal à les adversaires, je sais pas quoi. Et vraiment fort en plus de ça. Ok. C'est nice. Mais je me semblait aussi pour moi, ça sonnait fort. Mais des fois, il y a des affaires que je monte. Mettons juste par exemple avec mon cousin, puis. J'ai Yu-Gi-Oh, je dis, hey, check ça, ça a l'air vraiment fort. Il fait non, c'était chier. Je fais, ok. Je
suis pas encore assez poussé, mettons, dans Magic pour savoir est-ce que ce qui pourrait être bon ou pas bon. J'ai des idées, mais pas tant. Moins 2 à toutes les. Plus pour chaque crime à cause de son moins 2 PV à l'adversaire. Ok, my god. On va avoir du token, on va avoir du token. Un dernier de score 2020, on va retourner sur Terra pour faire du 15, tout égal 15. Petite carte, c'est pas payé, uncommon wild card. Yep. Land. Scry 1. First. Je peux pas me dessiner, mais c'est crispant fort. Mais ça doit dépendre des situations, là. Parce que Yann, c'est une tobo, là, c'est du monde. Le mec chien fou, pis Apollo Crab, ça fait genre des 13 ans qu'il joue et plus, là. Il y a tout le temps mieux, anyway. Dans ces jeux-là, là, pour vrai, il y a tout le temps mieux. C'est pas, il y a rien de sarcastique, il y a rien de. Il y a tout le temps mieux dans ces jeux-là. Ouais, c'est sûr. Là. Comme par exemple, tu sais, je sais plus c'était quoi, c'était noir, tu mets dans un deck blanc pis y'a pas de laine noire, ça sert à rien. Bah tu sais, ça peut être bon pis t'es genre de side deck. Là. Tu mets ça dans ton side deck pis si tu joues contre un deck gobelin ou des trucs, c'est vraiment fort contre. Tu te le mets la deuxième game ou whatever. Un oiseau. Ah ouais, whenever you cast an end, could you spell this creature gives one? Ok. Et moi, il est dans un deck. Oh, c'est de la merde, mais dans un deck, c'est de. Deck, ça. Très fort, ok. C'est wildcard rare. Là, je fais du 1-1. Oh, un joueur là. Vous dites si c'est trop slow comme opening, si vous voulez que j'accélère un peu plus ou. Ok, je vais popper vitesse, ça laisse un peu le temps de checker c'est quoi la carte cachée à chaque fois. Non, c'est chill, parfait. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, ok, tu peux la jouer soit noire ou soit blanche. Mais c'est quoi le. C'est quoi l'avantage entre. Ah, une laine deux couleurs. La laine deux couleurs fait deux couleurs tout le temps. Elle, c'est soit ça ou ça. Oh, une mythique. 5-5. If you tap an opponent for mana, it produces 3 times as much of that mana instead. If you tap an opponent for mana, it produces 3 times as much of that mana. Hein? Je comprends pas. Choisis laquelle selon ce que tu as de besoin. Ok, ouais. Je comprends, mais tu choisis ce que tu as besoin, mais la laine de couleur, t'as même pas à choisir, tu l'as les deux. C'est pour ça que ça, des fois ça me fuck de... Tu sais pourquoi je choisirais celle-là over une deux couleurs maintenant. Ok. Ah ben on a 14 et 18 en commun puis 10 rares. Oh my god, j'avais même pas marqué, je suis en combien. Je vais for an enchantment. Art, reveal it, put into your and then shuffle your deck. Bon, ça c'est une joke. Regarde-le. Quel cas? Pour 7. Ah, oh, le genre de gros arbres. Ok, la majorité des laines, deux couleurs, arrive tap, tandis qu'un des laines arrive pas tap en jeu. Ok.
C'est juste le fait qu'elle arrive pas de tape, qu'elle a... peut avoir un certain avantage sur le fait que tu choisis la croix que tu veux. Ok, je comprends, je comprends. Mythique! Je commence de moins en moins à avoir des firsts, là, j'en ai deux. Non mais popé, mais c'est vrai que c'est cher, tu vois, jamais la sortir, ouais. Tour de Battlefield Tap. Ouais, celle-là, tu peux jouer en créature ou en land. Whatever a land instead of Battlefield you control, get a entity and a, okay, end of turn. Ah, j'arrête de Chris. Je pensais qu'il créait un token 2-2, ça aurait été quand même cool de faire un deck autour de ça. Plus que 30 packs. Ben, 30 packs en vrai, fait que rester, il va pas en vrai, mais en arena, il va avoir un pratiquement 40, 39 packs, là. Pratiquement 40 packs en vrai par après. Oh shit, lui, il mange lui, puis dans ses yeux, il mange. What the fuck? You're into the abyss. Kiss 7 mana. Temporary draw a card, you're going to have the number of cards in their library and lose half of their life. Round up each time. What? Target player, draw a card equal to the half of. Ow! Il pige la. Fait que ça peut être bon aussi dans un deck qui. Miles l'adversaire. Et en même temps, ça lui fait perdre la moitié de sa vie, si ça j'ai compris. Oh, deux wildcards. Ben, pas la moitié de sa vie, hein, la moitié de même que le ça. Tu parles c'est drôle dans un deck ou tu parles l'image est drôle ou... J'imagine que c'est drôle à jouer dans une game, c'est ce que tu voulais dire. Oh! Un angel. 5 mana, 5-5, flying, first strike, lifelink, protection from demon, protection from dragon. Mais c'est bon ça, je le veux. Le bain, le shrine? Ça? Encore là, c'est bon pour là, ça coûte cher quand je. Ouais, c'est sûr, là. C'est parce que beaucoup de cas, c'est situationnel, là, aussi. Si ça marche, c'est fort en tabarnak, mais si le gars, il a la carte pour la counter, c'est sûr que c'est chier, là. La bleue. La bleue. Ah, celle-là. Je cherchais le nom, mais c'est ici. At the beginning of your pre-combat min. Phase, you may draw X card. Where is the X? The number of shrine you control. If you do, just cut a card. Ok, ça c'est. C'est un enchantement. Fait qu'il y a d'autres cartes qui est écrit shrine. Fait que ça fait que. Ça fait piger en esti. J'ai vu un deck shrine en esti qui était vraiment très fort. Shit. Je sais pas si c'est historique, Apollo, toi ton deck. Flying. Nope, même pas. Oh, un. Le Planeswalker, bon. It's gain, it's the end of turn. Whatever you want, okay. Create that. Ok, parce que. Call, excusez. Parce qu'on sait, il y a une extension avec des chaînes, donc l'effet de. Ah, ok, c'est ça. À ce que je comprends, historique, c'est que. Ils ont sorti des cartes à un moment donné, puis c'était tellement pété que. Contrairement à ce qui sort aujourd'hui, non? Moi j'ai l'impression que c'est ça, là. Ils ont comme voulu faire quelque chose de trop fort des fois, puis là les cartes sont vraiment trop. Oups. C'était une laine bleue et bleu-rouge. Ouais, sûrement j'essaie de faire. Jouer standard, j'ai plus de fiat à gagner. Pas OP créé par moi, mais ok.
Ben, c'est ça aussi, quand tu t'en vas dans plus le historique pis ces affaires-là, j'imagine que les decks forts, c'est pratiquement les mêmes, vu que t'sais, ils ont rien de nouveau dedans, là. À moins que tu prends un nouveau deck pis tu mets une carte historique pis ça rend le deck au complet historique, ou... probablement. Non. Que ce soit juste des cartes historiques. Oh. C'est ça que t'avais dans ton deck, t'en deux. Non. Oui. Non. Sauf le mode, le monde sont trop forts là. T'as pas le temps de grind pour. Ouais. J'imagine que c'est. Ça doit être chien historique là. Ouh. Oh, ouais, ouais, yo, ouais, tout le monde est prenant là. Oh, le petit Speak of Heaven. Par exemple, j'ai jamais vu un commander pareil à un autre commander. Et tu peux mettre des cartes d'extension actuelles standard, mais pas l'inverse. Donc, tu as vraiment beaucoup plus de possibilités de deck fort. Ok, moi. Ouais. Dans l'historique, tu as bien plus de variété de deck. Est-ce qu'il y a plus de 7 qu'en standard? Standard à son max de 7, c'est 8. Ok, ouais, ok, je comprends. Fait que c'est pour ça que historique c'est plus fort. Ok. Ben, un deck historique peut-être plus fort. Peut-être plus fort, ça peut être. D'accord, je comprends bien. Il reste plus que 9 packs tout le monde. 9 par lac. Pack 3-3-3. On aime ça. Ça fait 10 packs puis du crafting. Tabarnak, ça en fait. Oh, jamais, je l'ai jamais vu celle-là. C'est normal. My three card, then you may exile a creature or enchantment card from your graveyard. If you... Pourquoi elle est comme collée? Ça fait une histoire en deux. If you do create a 2-2 black zombie creature token. Quelle est la force de ça? You gain X life, where is the number of zombies you control? Ok. Ouais, je peux craindre en tabarnak. Je sais pas où ça arrête pas, là. C'est ça, je finis mon deck noir, puis après ça, je vais vraiment checker en détail pour un autre deck, là. Je vais pas sauter tout de suite à faire. Ah, c'est fou que je fasse ce deck, là. Les deux tours ont la même chose. Ok. Ah, ok, ok. Ça fait deux fois. Ah. Ok. En fait, il m'intéresse, moi, un deck zombie. Un deck zombie, ce serait cool. Elden, si pas trop d'espoir. Il y a même pas 10 medical red card. Là, le donne, si pas trop d'espoir. J'étais à 7. Et ça fait 8 ans que je joue à Magic. J'ai juste arrêté pendant 6 ans. Mais tu m'as toujours dit que t'aimais pas ça. Ben, tu trouvais ça trop. Je sais pas trop. Gatin, si tu me dis que j'en ai pas. C'est quoi ça? You cast a kick. Ok. You sure you control get until end of turn? 1-1-1, un pack dans chaque affaire, let's go. Tu m'as pas. Aux yeux de bien du monde, tu dis. Ben, t'as un. T'as presque un deck complet là-dessus. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça marchait pas. Ben j'en ai, j'ai 25 common, 31 uncommon, 16 rares, 8 mythiques. Ouais, mais c'est ça, c'est pay to win. J'en ferais 3 avec ça. Un gros cochon! Ouais, c'est vrai, j'avoue, j'ai gagné des cartes, hein. C'est pas juste les trucs. Bon ben, je vais juste conclure ma vidéo sur YouTube, et après ça on continue sur, on va aller faire le pack opening en vrai. J'étais encore plus excité pour ça, parce que moi en vrai c'est ce qui me fait tripper. Fait que, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo, si vous voulez voir ça en live, c'est tout le temps plus le fun,
pouvoir discuter puis réagir dans le chat. Fait que c'est sur ma chaîne Lord QC Bro Gamers, L-O-R-D QC. Ben, il est écrit en bas, Lord QC Bro Gamers. Puis, allez, me follow. Puis après ça, puis c'est ça. Je fais ça au moins une fois semaine. Peut-être pas des aussi gros packs une fois semaine, mais j'en fais des popées. Puis là, justement, il va y avoir une autre vidéo que ça va être des vrais packs sur la chaîne. Puis je n'en fais pas trop souvent sur Arena, mais une fois de temps en temps. Abonnez-vous, partagez, likez, ciao tout le monde, peace.